Et ça tout le monde, c'est Tazorik Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de notre aventure 100% sur Super Mario Party Jamboree. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous du coup de l'épisode précédent, nous avons tout simplement commencé le bain d'histoire dans lequel on avait fait une bonne partie de l'entraide. Alors il nous manque encore pas mal de tâches, voilà, il manque 17 tâches inconnues encore, donc il faudra le faire. Alors, par exemple, la réparation pendant l'inspection de la tyrolienne, un combat a découvert qu'une pièce avait disparu. Il en a besoin, absolument besoin. C'est bizarre, ça l'a pas compté. Donc, faudra voir. Bah, c'est pas lui par hasard? Bah, oui, c'est certainement lui. Bah, oui, c'est le boulon. Oh, tu as un boulon trop sérieux. Oh, tu as un boulon trop. Tu veux bien me la donner? Bien sûr. Hourra, je vais enfin pouvoir réparer la tyrolienne. Ça y est, j'ai fini ma réparation. Tu m'as sorti du pétrin. Prends ça si c'est pour toi. Décoration obtenue, ornement, une encre décorative qui vous rappelle la mer qui borde l'île de Gomba. Cet objet sert à décorer la place centrale. Réparation terminée, je t'en dois une. Alors ça te dirait d'être la première personne à utiliser la tyrolienne? Il me donne même pas de mon avis quoi. Le consentement dans ce jeu ça n'existe pas. Ah la patra sera un wouhou. Bah oui ça fait mal hein. What the fuck. Qu'est-ce que tu me dis toi? La mer qui borde l'île est magnifique. Je te crois. Ok, prends pour remonter. Ok, en fait, je veux... Bah, on va faire le ça là, ici, hein. On va faire le mini-jeu. Oh non, j'ai renversé toutes mes pièces en tombant. Tu pourrais m'aider à les récupérer? Elles sont quelque part dans l'eau. La riche rivière de Plessis? Non, de 3D World. Utiliser un Joy-Con pour les mini-jeux dynamiques. Modifier les paramètres des manettes. Oui. Ben, c'est bon, j'ai utilisé Joy-Con, hein. Ah! Attendez. Ok. En fait, il faut utiliser quoi? Il faut utiliser ça? Quoi? Oui. En fait, il faut tenir la manette comme ça, j'ai l'impression. Mais comment tu veux jouer comme ça, toi? Mais c'est, ça va être une... Mais ça va être une singerie. Tu veux jouer comment, toi? Oh, ok. Jouer solo, dirige Plessis, les autres joueurs de scooter des mers. Ramasser des pièces et éviter de tomber sur la piste si vous voulez pas perdre de temps. Ok. Ok, c'est bon, on a trouvé. On sait comment faire. Ouais, mais comment on fait? Ok. Ok, ok, on a trouvé. Hop. Alors il faudra, ça, il y a certainement un moment où on va avoir une bourse de pièces de baiser, donc il faudra y aller. La chance. Oh les bâtards les... On va peut-être ralentir un peu le moment. Oh là là. C'est... Ah bon bah on va pas avoir la première place, c'est moi qui vous le dis. Ah si si peut-être. C'est bon là. C'est bon. On a réussi la première place. First try. Ok. Voilà c'est. Je pensais que j'allais jamais y arriver avec ce truc comme ça. C'est trop bizarre de tenir une petite si petite manette comme ça. C'est trop bizarre. Bon on va rejouer normalement. Est-ce qu'on peut rejouer normalement? On rejoue normalement. Merci. Alors ok. Parfait. Merci pour ton aide. J'ai pu récupérer quasi toutes mes pièces grâce à toi. Ah mais merde du coup, bah oui ça m'a niqué les paramètres des manettes. Comment je fais pour... Oh là là. Non 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 non. Comment on fait? Oh là là, comment on fait? Changer le style et l'ordre. C'est vraiment con ce truc. Quelle idée à la con. C'est bon. C'est bon. Non 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 non, c'est bon. Alors du coup, si vous faire ça à chaque fois, on va vraiment pas y arriver. Alors du coup, ok là, il y avait plein de monde, hein. Il y a beaucoup de monde. Bah écoutez, on va essayer de faire ce Goomba là. Voyons voir si tu as de la veine, Harmony. Le talent n'est rien sans la chance. Jouons à pierre feuille ciseaux. Allons-y. Super 1, 2, 3. Donc lui, non, je pense qu'il va choisir la pierre en premier. C'est le jeu est paramétré comme ça, donc on va faire feuille. Feuille. 3, 2, 1. Ok. Il va faire pierre. Ciseaux, ouais, j'ai lu. Mince, j'ai perdu. Tu as une sacrée veine. Merci d'avoir joué avec moi.
Prends cette petite étoile en récompense. Ok. Si tu as besoin d'aide, tu pourras toujours compter sur moi. Renfort à la rescousse en cas de besoin. Toad est là. L'air est si pur par ici, chaque inspiration est un régal. Ok. Les poissons qui nagent dans l'océan sont-ils heureux? Et si tu allais nager avec les poissons dans pêche à la cage? Ok. Les joueurs solo doivent éviter la cage. Les joueurs trio doivent coopérer pour déplacer la cage au-dessus du bassin et laisser tomber dessus. Ok. Joueur solo. Ok. Ok. Easy. Easy win. Easy win. Là, ça fait penser comme au mini-jeu avec dans lequel il faut faire attention au Goomba. Putain, on doit réussir pendant 30 secondes. Oh là! Ah, il faut pas toucher les chip-chip par contre. Hein. Vous voulez pas fermer un chip-chip? Hop. C'est bon, on a réussi. On a réussi. Victory! Tu es un vrai dauphin! Ok. Ne coupe pas. Oh non! Ce rocher semble sur le point de tomber, j'ai si peur. Tu veux t'entraîner à la course à pierre qui roule? Bon, tu vois le mini-jeu dans ma partie 6. Ah, mais c'est vraiment ça! Oh, c'est vraiment le mini-jeu dans ma partie 6. Courez, fuyez, ok. Ok. Parce qu'il faut connaître un peu le trajet. Alors je m'en souviens plus du tout dans la partie 6, mais le trajet, mais. Ok. Ah, il me semble qu'on était dans une grotte dans la partie 6 et non à l'air libre, donc. Alors on descendait aussi. Par contre, ça c'est nouveau. Y'a pas un qui veut crever par hasard? Merci. Tac. Y'en a un qui est mort. Oh, qu'on a réussi! On est arrivé à la fin. Parfait! Merci! 3 étoiles! Incroyable. Merci, maintenant que je sais comment éviter les rochers, je n'ai plus peur. Vous m'avez attendu, les cailloux. Reviens jouer quand tu veux. Ok. Bon, là, il y a Mario, on va faire. Tiens, mais c'est Mario. Ça te dit de le défier dans 3 mini-jeux? Mix de Mario. On doit faire une victoire dans 3 mini-jeux. Ok. Qu'est-ce que ça va être? Ouais, le jeu est beau, je trouve. C'est quoi les mini-jeux? Ok, ça je connais, c'est dans ma partie 5, je crois. Ok, c'est bon, on connaît. Quoi ça, drapeau? J'ai pas fait attention, c'est quoi drapeau? Toujours plus haut. Escalader, viser, ok. Escalader, la tige. Alors ça, quand j'étais petit, j'étais ultra fort. Donc, ok. Tac, tac.
Tac. Bah ça va. Wow. Wow, 135. Excellente. Premier niveau gagné. D'accord, c'est ça les scores. Donc là on a gagné 5 points. Ok. Ah c'est une suite. Oh, c'est génial, c'est une suite. Pousse ballon. Ah mais du coup je sais pas ce qu'il faut faire. Éjecter vos adversaires, se déplacer. Ok. Oulala. Là là. Faut pas être le dernier parce que sinon on perd beaucoup de points. Donc on gagne très peu de points. Ok. Oh là 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 là. Mayday, 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 mayday. Toadette est bientôt tombée. Ok. Mario. Non, 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 non. Putain, bon bah tant pis. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut gagner le prochain mini-jeu. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ah oh, merde. Ouais là il faut gagner le prochain mini-jeu parce que Mario va nous dépasser sinon. Donc là il n'y a pas le choix. Ok. Levez le bon drapeau. Le bon drapeau. Ok. C'est parti. Ok. Je sais pas s'il va nous faire une feinte hein. Ok. Oh, deux, trois paires de perdus. Allez, là, il faut finir premier, il n'y a pas le choix. Ok. Ah, merde. Il m'a fait une feinte, ce connard. Bon bah on est deuxième. Ouais, on est deuxième. Comment fait victoire? Mais non, on n'est pas victoire. On est deuxième et l'autre il a 14 points et moi j'en ai... alors là j'ai zéro compris. L'autre, Mario avait 14 points, j'en ai eu 12. C'est pas moi qui gagne. Les garçons ont obtenu piqué Mario est représenté par ses piquets de décoration. Cet objet sera décoré à la place centrale. Tu as réussi, tu as gagné. Pour te récompenser, Mario viendra t'aider en cas de besoin. Renfort à la rescousse en cas de besoin, Mario est là. C'est chelou, je comprends pas. J'ai pas compris. C'est bizarre, le volcan est pas entré en éruption. Qu'est-ce qui lui arrive? D'habitude, il suffit qu'on passe devant lui pour qu'il explose. Peut-être qu'on donne un gros coup dessus, qui sait. Ah, il faudra peut-être réussir à monter dessus, c'est ça? Pousser de la pierre, un objet de chance. L'objet que vous recevez indique votre niveau de chance. Première fois, mini-jeu. Quoi? Bon. Pousser de la pierre. C'est parti. Ça, jamais rien avec vous? Ok. Et ça me sert à quoi? Ici ça me sert à quoi? J'ai pas compris. Objet de chance, vous pouvez porter objet porte bonheur et champignon. Cela veut dire que vous avez la chance ultime. Chance, ok. Avez-vous croisé le regard de ces gombas portant fièrement leur bandana? C'est le feu de la passion qui brûle dans leurs yeux. Là, il y a un mini-jeu. Il semblerait que pour passer, il faut jouer à Domino Womp. Mais ça, c'est un mini-jeu dans ma partie 4 aussi. Ah, oh, c'est génial. Ah, ça, je connais. Hein. Ah, normalement, ça, je suis un génie. Hein, je vous le dis. Ça, à l'époque, j'étais masterclass. Hein. Il y a une stratégie. Tac. Hop. Oh, comme
il en a fait. Hop. Oh. Vas-y. Oh. Oh putain. On a fait pour te la de 100. 111. Domicile. Terminé. On a explosé le record, ouais. Ta grand-mère, what the fuck. On a explosé le record. Oh my fucking god. Non mais vraiment. On a explosé le record. D'ailleurs, on est bientôt fini, ouais, il manque plus que le... Alors, certainement, il manquera un petit défi. Et le combat à sauver, enfin, à avoir. Il semble d'accord que pour vous laisser passer. Ok, merci. Non, je suis coincé dans ce tonneau. Il y a quelqu'un à l'aide. Bah, l'aider. Merci. Je me suis caché dans ce tonneau pendant une éruption. Mais ensuite, impossible d'en sortir. Merci beaucoup. Ah mais attendez, mais il y a plus de 30 en fait, j'ai l'impression. Si un jour tu peux me rendre utile, ça serait avec plaisir. On va forcer à la rescousse en cas de besoin, Spike est là. Oh, mais attendez, mais il y a au-delà de 30 trucs. Bah oui, d'accord, c'est un nombre de tâches qu'il faut faire attention. Voilà, il manque 8 tâches au total. Par contre, je sais pas comment on peut monter en haut du volcan. Il faudrait donner un grand coup sur le volcan pour qu'il reparte, mais... Bah j'imagine qu'il faudrait un marteau, mais ou je sais pas. On va aller partir par là. Waouh, comment j'ai bien pu le perdre. Toi, tu aurais vu mon bandana sur ta tête. Tu as raison, Kelly Tordi. Merci pour ton aide. Voici ta récompense, une petite étoile. Il est un peu, il est pas dégourdi, lui. C'est pas tout ça, mais je dois me remettre au boulot, mais... Tu as obtenu 30 petites étoiles, Harmony. J'ai un cadeau rien que pour toi, allez, viens. Non, on va... Non, mais pas maintenant. Tu nous as rendu un grand service. Tu veux finir? Je veux faire le 100% de la zone. Félicitations, tu as réussi à obtenir au moins 30 petites étoiles. Tu vas pouvoir découvrir le prochain plateau. Mais avant ça, j'ai un cadeau. Tu n'allais quand même pas partir sans apporter un souvenir avec toi. Hein? Le ciel se vient sombrir subitement. Que se passe-t-il? Oh non, c'est quoi ça? Un horrible vortex géant. Mais il abrite Draguille. Non, le vortex vient de happer toutes les petites étoiles. J'entends la voix de Draguille. J'ai dérobé toutes tes petites étoiles. Si tu les veux, tu devras me vaincre. Quel cauchemar, tu avais travaillé si dur pour obtenir toutes ces étoiles, petites étoiles, Harmony. Si on ne fait rien, on ne pourra jamais finir la préparation du plateau de jeu. Je t'en conjure, aide-nous à récupérer nos petites étoiles en terrassant l'ignoble Draguille. Bah, si tu veux faire face à Draguille, bah, je pense qu'on n'a pas le choix, on va dire oui. J'espère qu'on va pouvoir faire toutes les autres tâches, hein. Tu ne récupéreras jamais tes précieuses petites étoiles sans me vaincre. Face à Draguille, affronte le boss. Ok. Alors comment on le bat? Mais attends. Mais oui, on dirait bien que la cavalerie arrive. Ah, c'est ça, le rescousse. Ok. Des renforts, Mario, Toad et Spike. L'entraide, ça paye toujours, Harmony. Des renforts sont venus t'aider. Le combat sera un peu plus équitable avec un tel soutien pour t'assister. Bonne chance, vous pouvez le faire. J'aime trop ce système. En plus, on peut le faire avec chaque perso. Ça sera une manga. Pilotez votre propre... Ok. Régler votre compte avec l'anguille. Ok. Je viens de comprendre. Ok, se déplacer, lancer une carapace. Comment fait pour lancer une carapace? Je sais pas comment on fait pour ramasser... Comment on fait pour lancer une carapace? Ok. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, c'est easy, finalement. J'ai une trouille, je pensais qu'il m'avait mangé, en fait. Je vous avoue. Alors ça, si c'est pas un boss d'un prochain Mario 3D, je m'appelle pas Zurich aussi. Je pense qu'ils expérimentent des choses pour le prochain Mario 3D. Ils nous mettent en haleine. C'est parti. Ramasser les carapaces, ok. Mais laissez-moi ramasser des carapaces aussi. Ok. J'en ai 5, hein. Non, on va pas aller là-bas. T'as l'eau tellement qu'elle est belle dans le jeu. Oh non, 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 Mayday. Ok, c'est bon. Hop. Putain, il fait penser un peu à la manière comme ça à Rigolo Nimbus.
Alaric, bien sûr. Gargantrux, pardon. Globugut, si vous voulez savoir. Mais j'ai que le truc en anglais en tête. Oh putain. Ouah, j'ai... Ouah, 10 carapaces. Ouah, 11. 12, 13. Oh putain, alors là, si on le défonce pas, c'est qu'il y a un problème. Là, il faut pas perdre nos carapaces. Il faut pas se faire toucher par le vortex. Ah, oh, j'aime trop l'idée. Putain, mais ils sont cons, mes persos. Mais ils te foncent pas là-dedans, toi. Regardez, mais... C'est vraiment un con, hein. Tac. Ok, il est... Oh, il a un quart de sa vie. Presque un tiers, mais un quart de sa vie. Oh oh. Ah, j'imagine que là, ça va se compliquer, hein. C'est sûr. What? Ah, j'allais dire, on était en mode 3D maintenant. En masse et carapace, ok. Pouvez m'en laisser, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous vous faites toucher souvent, vous? Du coup, je... C'est moi le plus important, en fait, dans l'histoire, là, du coup. Bon, j'en ai 7. On verra ce que ça donne. Et après, on s'arrêtera là, hein, parce que... L'heure tourne. Oh, le bâtard! C'est bon. Hop! Tac. C'est bon, là, il a eu! Il a eu! Il y a une double phase? Oh! Terminé. Finish him! On a eu le Global Gut! De Gargantus! L'appétit cosmique! Débloqué, stagiaire de l'île, lui non fait la force. Draghi n'en revient pas, mais il ne semble pas contester votre victoire et vous rend vos petites étoiles. Récupérer tes petites étoiles. Même le ciel s'éclaircit. Mini-jeu du boss face à Draghi réussi. Décor obtenu, une sculpture végétale. Une sculpture végétale de combat vous opposant à Draghi sur l'île combat. Cet objet sert à décorer la place centrale. Il est temps de vous dire au revoir. Merci d'avoir participé. Mais en fait, on n'a pas fini, il manque des tâches. Je veux faire les... On dirait que le calme est revenu. Allons-y, laisse-moi te guider jusqu'à ta prochaine destination. Mais non! C'est de beau boulot. Grâce à toi, on va pouvoir boucler les préparatifs. On dirait que tu as récupéré toutes tes petites étoiles, Harmony. Mais non! Il faut les mettre en évidence pour que tout le monde puisse les admirer. Tadam! Elles sont exposées ici désormais. J'espère que les gens se rappelleront tous ces bons moments partagés avec toi. Nous avons encore du travail qui nous attend sur les autres plateaux. Enfin, je peux t'offrir ce cadeau, c'est un souvenir de ma part. Décoration obtenue, fontaine, une fontaine bleue dans la couleur évoque la mer de l'île combat. Cet objet sert à décorer la place centrale. On va tout de suite au plateau suivant, non plus tard. Ça marche, viens me voir si tu as besoin de quoi que ce soit. Ok, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode 3. On se dit à l'épisode 4 dans lequel on ira s'attaquer au reste tout simplement des tâches à faire. Il nous en reste 7 au total. Je sais pas si on aura le temps de faire les 7, mais bon, on va essayer. Et du coup, ben, merci de m'avoir suivi pour cet épisode 3. Et on se dit à l'épisode 4. Ouais, on va essayer de faire le 100%. Du coup, ben, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.